allergies sont back un matin. Salut tout le monde, bon matin. Aujourd'hui, j'avais envie de vous vloguer ma vraie routine du matin, vous montrer un petit peu les coulisses de mes matins, ou en fait vous montrer mes routines du matin idéales aussi en même temps. Je vais tout vous expliquer ça, mais ouais, hier je lisais vos commentaires sur les suggestions de vidéos, puis il y a beaucoup de gens qui parlaient de routine du matin. Des fois, il y a des gens qui laissaient des commentaires que je me demandais s'ils se trompaient avec ma chaîne principale parce qu'ils parlaient de maquillage et tout. Mais il y a eu quand même plusieurs commentaires qui disaient routine du matin. Puis il me semble que je ne l'ai jamais vlogué officiellement. Fait que j'ai dit, ah, j'aime ça, je vais faire ça. Je vais vous emmener dans ma journée, tout simplement. Puis ouais, je vous en reparlerai à la fin de la vidéo de ça, les suggestions de vidéos et tout. Un peu de, ouais, genre l'avenir de ma chaîne et tout. Mais pour l'instant, il est 7h19 et je me réveille tranquillement. Sérieux, j'ai l'air poqué là. Je me sens congestionnée. Ouais, mon nez est tout bouché, mais c'est pas que je suis enrhumée. Là, c'est mon ma rhinite non allergique qui vient et qui repart. C'est toujours comme ça. Wow, l'éclairage. Salut, oui, ça te tente-tu de jouer? Ou tu veux juste que je te regarde manger comme d'hab? Oh, ça, c'est le petit saut du matin. Trop cute, bébé. T'as de la bouffe partout encore. Ah, matin, j'ai pas faim encore pour déjeuner, fait que je vais essayer de la faire jouer. Là, je suis comme tannée, j'ai plein de jouets qui marchent plus, genre ça, là. Des fois, c'est des problèmes de batterie qu'on n'a pas, ou, tu sais, comme ils sont défectueux. Faudrait vraiment que je fasse un ménage, parce qu'elle en a trop. J'aimerais ça trouver des bons, parce que ces temps-ci, elle veut pas jouer avec plusieurs, là. Genre ça, il a donné, puis c'était pas bon. Mon Dieu, il est cassé, en plus. Oups. J'ai encore pas mal endormi, je vous mentirai pas, mais là, on va aller faire quelque chose pour se réveiller. Puis là, c'est quand je m'en vais que tu veux jouer, tu me niaises-tu? T'es-tu sérieuse, là? Je sais pas si t'aimes juste pas ce jeu. On va réessayer tantôt alors, ok? Je te laisse regarder l'action d'or. Moi, je vais essayer de ranger tout ça, ce qu'on vous montre généralement pas dans les routines beauté. C'est tout ce qui traîne depuis hier, c'est aucunement stagé. Je sais qu'il y a plein de gens qui sont pas capables d'aller se coucher quand la vaisselle est pas faite, mais moi, souvent, c'est comme, je sais pas, les deux, on a travaillé, on prend le temps de se faire à manger à chaque jour. Fait que là, faire la vaisselle, c'est comme une affaire de trop, on dirait. En fait, ces temps-ci, vu qu'on avait un peu plus de temps, c'était pas si pire, là. On essayait d'en faire vraiment à chaque jour, puis Pape m'en a fait une hier tout seul, mais avant que j'aie fini de cuisiner la suite du repas, fait qu'il reste plein d'affaires à ranger. Fait que. C'est parti! Excusez la musique, je sais pas c'était quoi j'ai dit à Google, mais moi de la musique calme. Bon, fait que c'est fait, regardez comment c'est satisfaisant. Tout beau, tout propre, plus rien, c'est comptoir, yes! Pour le vrai, j'aille tellement faire la vaisselle que, ouais, après cuisiner, c'est pas le temps, mais quand je peux, pendant que je cuisine, ben pendant qu'on cuisine, ça, je le fais, c'est sûr, mais ouais, sinon j'aime. Parce que je trouve que c'est comme une activité qui demande pas vraiment de concentration, fait que c'est juste bon pour se réveiller doucement, puis ça prend quoi, 10 minutes? 15 gros max, puis au moins ça part bien la journée. Bon, je pense qu'il y en a une qui est prête à jouir. Checker ça, ok? Je vais lui lancer des objets random de même, là, puis elle se met à courir. Allez, Lily! 1, 2, 3! Oh non, il est allé sur toi! Il y en a deux autres, veux-tu l'araignée? 1, 2, 3, go! Oh, t'es pas parti courir, tu l'as attrapé! Oh non! Bon, on va trouver un autre jeu, mais voyez pourquoi j'ai tout le temps des affaires à travers dans la maison. Elle embarque pas matin! Lily, regarde, c'est ton jouet préféré ces temps-ci. Un jouet 100% écolo. C'est une coquille séchée de haricots du jardin. Ok, là, j'étais affamée. Fait que désolée, je vous ai même pas attendu pour commencer à manger. Je suis impolie. Mais là, matin, je me gâte, là. Je sais pas si vous allez voir, ok. Savez-vous c'est quoi ces céréales-là? Écrivez-moi dans les commentaires si vous pensez savoir c'est quoi, ok. Je vais vous montrer le sac juste après. Mais elles sont tellement bonnes. C'est incroyable. Voilà, c'était ces céréales-là. Je les avais pas achetées, je pense, depuis 2 ans à Walmart. C'est vraiment pas ce que je déjeune à tous les jours. Mais mon Dieu, c'est une drogue. Si vous les connaissez, je pense que vous pouvez relate. Et là, je voulais en profiter pour vous présenter mon petit
Habit Tracker, ok? C'est très très simple, c'est juste que j'ai décidé d'en faire un pour ma routine du matin en fait l'autre semaine. Moi personnellement, ça m'encourage beaucoup le matin de venir cocher qu'est-ce que je fais dans ma routine du matin idéale comme je vous parlais tantôt. Voyez, mettons ici, j'ai faire le lit, ça je peux le cocher. J'ai grand verre d'eau parce que c'est super bon. Faire jouer Lily, ben là elle veut pas vraiment, mais déjeuner c'est fait. Lecture ou podcast, je m'en vais lire un petit peu du livre de Victoria. Ménage maison, je vais faire ça après. Arroser les plantes aussi. Le sport, je le fais pas chaque jour, mais bon. J'essaie au moins d'en faire 10 minutes par jour, ça serait bien déjà pour commencer. Me préparer, puis est-ce que j'ai réussi à me lever dans mon heure idéale, si on veut. Fait que oui, aujourd'hui je me suis levée à 7h, 7h15 je pense. Déjeuner, je peux le cocher. Grand verre d'eau et faire le lit. Fait que c'est comme un tableau de bonne habitude dans le fond. Vous pouvez faire ça avec n'importe quoi. Ah, il fait vraiment gris dégueulasse un matin, hein. C'est vraiment pas, j'ai ça quand c'est de même. Ben oui, j'étais là au lancement de Victoria, d'ailleurs ça va être ma prochaine vidéo sur ma chaîne principale. Je l'ai maquillée pour son lancement, là je suis rendue presque au milieu. C'est super bon, c'est super intéressant. Hey, j'ai manqué de batterie, mes deux étaient déchargés, fait que j'en ai profité pour aller me préparer là, pour sauver du temps en attendant. Puis, de toute façon, ça fait partie de ma routine du matin. Là, je serais rendue à aller arroser mes plantes, ça fait genre 2 jours au moins que je m'en suis pas occupée. J'aimerais ça être assidue puis le faire à chaque jour, mais tu sais, comme, je sais qu'ils vont pas mourir si j'attends genre 2 jours, mettons, avant de les arroser, fait que souvent j'attends puis je combine comme ça. En fait, il y a 2 jours, j'ai checké sur Plantbook puis il y en avait pas gros à arroser, fait que là, ouais, là, il y en a un petit peu plus, on va faire le tour ensemble vite vite. Vous voyez, ça me dit qu'il y en a comme 14 à arroser. Il y en a que c'est un jour en retard dû aujourd'hui, mais pour vrai je me stresse pas avec ça là. J'ai bien plus peur de trop arroser que pas assez arroser la majorité de mes plantes là, sauf les lières, les affaires eux-mêmes. Oh, d'ailleurs j'en ai perdu une coupe quand j'étais allée à Amsterdam là, pas de s'en occuper, sauf qu'on s'est mal compris. Moi j'ai envoyé des screenshots de Plantbook, mais lui au lieu de chercher, parce que tu sais j'en ai plein partout pis il sait pas là par cœur quelles et quelles mettons, il les a toutes arrosées. Sauf qu'il y en a que moi j'avais arrosé avant de partir, fait que j'ai une coupe de succulentes qui sont mortes parce qu'ils ont pas supporté le double arrosage. Fait que là je suis comme, Pat, tu me dois genre 5 plantes. Il allait super bien pour vrai avant qu'il s'en occupe, fait que il veut pas vraiment l'admettre, mais oui, il a tué plusieurs de mes bébés. Donc, ficus. Ah, ficus est là. Bon, je vais checker si il manque d'eau. Je suis vraiment contente qu'il aille bien maintenant, en tout cas lui, parce qu'avant, j'avais de la misère avec. Ouais, le top est sec, là. Je vais genre remettre ben, tout ça, je pense. Wouhou! Voilà. Bon, ensuite, j'ai fougère, ça c'est en haut. Jade est ici, ok. Jade, Félix est ici aussi. On va faire celui-là en premier. Ça, c'est Félix. Aucune idée pourquoi il s'appelle de même. Souvent, je demande aux gens. Oh, j'ai pas checké si t'es encore mouillé. Non, ça va, je pense. Je vais pas en mettre trop, là, mais... Des fois, je prends mon truc pour vérifier l'humidité. Des fois, je fais juste mon doigt parce que c'est plus vite aussi, là. Avec ça, Bégonia, il va super bien. Ça, c'est Jade parce que c'est une jade plant. Et oui, elle a l'air sec. Ouais, c'est sec. On peut l'arroser. Ça, c'en est une succulente en passant. Puis petit truc au passage, moi quand j'arrose, j'imagine à peu près un tiers là, du pot en eau. Donc là, je pourrais y en rajouter un peu. Tu sais, je surveille comment que ça absorbe, puis je vais comme ça. Hey, là, elle, là, c'en est une qui n'a pas de me tuer. Je venais juste de l'acheter. Mais c'est justement une plante aussi un petit peu succulente, je pense à cause des feuilles. Hey, en passant, désolé mon pot, je me suis coupée l'autre jour. C'est dégueulasse, ça veut pas guérir. Ça va être long à guérir vu que c'est dans la jonction. Mais ouais, checker ça. Toutes les feuilles ont tombé sauf ces trois-là, fait que je sais pas si ça va survivre, j'ai comme un gros doute. Je la laisse là en attendant, je l'arrose plus. Là, je vais prendre les petites araignées comme ça. Ça, j'ai fait tremper, en fait, je leur fais un bain. Celle-là, je la check tout le temps parce que c'est une petite fougère, puis même si Plantbook me dit pas de l'arroser, je l'arrose parce que les fougères, ça l'aime solo. Fait que tiens, madame. Celle-là, tu vois, c'en était une autre demi-nouvelle, mais Pat, il l'a laissé sécher pendant mon absence, je veux dire... Elle a manqué d'eau une fois, puis c'est fatal. Là. Fait que là, elle est comme toute sec. Ouais, il va falloir que j'en change. Fait que voilà, dans 2 heures à peu près, je vais aller. Ben, je vais enlever l'eau. Fait que Jade, c'est fait. Broum. Ça, c'est Sirius ici. Que je suis trop contente parce que j'ai eu mon premier bébé. Regardez. Le premier bébé de ma première plante araignée. Je sais pas trop si je vais le laisser comme pendre comme ça ou si je l'enlève, tu sais genre je fais une petite greffe puis j'en repars une nouvelle. Vous me direz si vous en avez une, qu'est-ce que vous faites avec vous, avec la vôtre d'habitude, parce que je sais même pas comment transplanter ça. Potos 2, c'est toi ici. Puis il faut que je le rempote d'ailleurs, il faudrait que je me fasse une autre journée de rempotage. Checker toutes les plantes de l'intérieur. C'est tellement ma plante préf ça, by the way, c'est tellement beau je trouve.
Bon, ben bonne chose de faite. Je me sens accomplie quand j'ai réussi mes matins comme ça. Là, il me reste pas grand chose sur ma liste. Là. Je vais aller cocher ça sur mon tracker, mais je pense qu'il me reste juste à faire le ménage de la maison. J'en ai fait un petit peu un matin, tu sais, dans la cuisine, là, plus vaisselle et tout. Mais j'ai plein de choses qui traînent partout en fait. Cuisine, ben la salle à dîner en fait, il y a plein de stocks du party d'Halloween que j'ai fait ce week-end avec ma famille. Fait que là, arroser plantes, c'est fait. Je pense que juste sport que je vais pas cocher aujourd'hui. Oh my god. Checkez-moi ça, le beau petit bordel. J'ai juste comme tout décroché hier, je me suis dit que j'allais ranger aujourd'hui. Ça a pas été full productif mon affaire, tu sais, ça a été comme posé pour une journée les décos. J'avais pas décoré avant ça parce que c'était comme un petit party dernière minute, mais là je vais tout ranger ça dans mon bac. Je pense que je vais genre en profiter pour faire un petit Marie Kondo, vu que je l'avais jamais fait là-dedans non plus. Donc je vais tout étaler puis tout voir qu'est-ce que je veux vraiment garder puis mieux organiser mon bac. C'est parti! Hey, c'est vrai, je voulais vous montrer quelque chose, ok? Ça là, c'est mon premier jus de raisin maison. Je sais pas si vous vous rappelez, mais dans mon vlog précédent, non l'autre avant, je pense quand je faisais mon dernier petit tour de potager, j'ai récolté des raisins, puis à chaque année, je sais pas quoi faire avec parce que, comme je dis, ils sont un peu chiants à manger, étant donné qu'ils ont plein de pépins dedans, là, genre des gros pépins, et goûtent surette, sont pas très bons. Bref, je voulais essayer une recette avec ça, puis je suis tombée sur la gelée de raisin Concorde de Ricardo, parce que je pense que c'est genre des raisins Concorde, mais je peux pas être sûre. Fait que j'ai commencé par faire du jus, puis là, je me demande si je devrais faire la gelée, parce que si je veux faire ça, faut juste que j'ajoute, désolé le bruit d'or, il y a des gars qui souffrent des feuilles, il faut juste que j'ajoute du sucre, puis que j'attende, puis c'est censé se transformer en gelée. Mais c'est comme pour faire plusieurs pots-maçons, puis j'ai jamais essayé de faire des pots-maçons encore, donc je sais pas si je me risque ou si je le bois comme ça. Parce que là, je l'avais oublié chez ma belle-mère, en tout cas, puis il date de plus qu'une semaine. Mais j'ai goûté, puis il goûte encore bon, il goûte la même chose, c'est juste comme l'opacité a changé. Quand je l'ai fait, il était vraiment transparent, fait que je sais pas si je risque ma vie, genre. Mais pour vrai, c'est vraiment bon, là. Oh, je voulais observer un jus. Je pense que c'est l'enfant qui m'énerve le plus quand un gars te ferme les pots fort pis t'es pas capable de te dépanner dans ta journée, genre. Parce que t'as envie de manger les cornichons, du jus ou des olives. J'abandonne. Mais en tout cas, vous aurez vu mon jus. Oh, je l'ai eu. Je sais pas comment j'ai fait. Ah, ok. Pour vrai, ça sent vraiment bon. Je sais pas après combien de temps ça expire, là, vu qu'il n'y a pas de conservateur ou je sais pas trop. Mais j'ai absolument rien rajouté dedans. Puis en jus, il est sucré, genre. Ben, ça goûte le jus Welsh, là, mais il n'y a aucun sucre ajouté. Fait que bref, si vous avez un raisin à vigne, là, comme moi, une vigne à raisin plutôt, essayez ça. Faites juste comme écraser les raisins dans une casserole. Tu fais mijoter ça, puis après ça, tu filtres, puis ça donne du beau jus comme ça. Fait que là, je vais pouvoir me servir un petit verre. C'est juste weird qu'il est opaque. Non, on dirait que je bois du sang, c'est dégueulasse. Sérieusement, c'est incroyable. C'est tellement bon. Ça goûte frais comme si je venais de le faire. Je pense que je vais faire moitié-moitié. Je vais aller checker la recette, puis m'a laissé mijoter ça pendant que je fais la liste d'épicerie, parce que ça, c'est une autre chose sur ma to-do aujourd'hui. Parce qu'il faut y aller ce soir avec Pat. Fait que je vais faire ça. Qu'on va essayer, ça dit une tasse de jus. En fait, l'affaire, c'est que ça disait qu'il faut un thermomètre à bonbons, mais je pense pas que j'ai ça. Mais au pire, je vais juste surveiller, là. Je pense que je vais le voir quand ça va avoir une consistance de gelée, là, tu veux dire. Bon, ça va être de bouillir, fait que moi, je vais continuer, en fait, la liste d'épicerie. Pat m'a noté des petits trucs ici hier, je vois déjà. Je voulais tester les recettes dans le livre de Cynthia Marcotte que j'ai toutes lues, là. Je suis rendue dans celui de Victoria. C'est fun, il y avait comme plein de lancements de livres cet automne, j'ai l'impression. Il y a vraiment beaucoup de recettes dans son livre, genre, attendez, je vais vous montrer le début. Tout ça, c'est des recettes, fait que ça se lit quand même vite le reste, là, puis c'est vraiment sur la fin, là. Ça, c'est le sujet. Un peu de la littérature scientifique ou je sais pas comment on peut appeler ça. Mais oui, dans les recettes, il y en a quelques-unes que je m'étais mis un petit marque-page que je voulais essayer. Les photos sont super belles aussi, là, je dois le mentionner. Là. Wow! C'est toute santé, mais tu sais, ça a l'air appétissant. Burger végétalien pour gourmand, ça, je suis sûre que Pat va vouloir qu'on en fasse. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait des burgers maison comme ça. Muffin aux carottes dans une tasse, ça me tentait de l'essayer aussi. On va checker. Oh! Oh, ça déborde! Attendez! Oh my god, j'ai eu chaud, ça n'a pas débordé, mais c'était en train de. Qu'est-ce que ça prend? Champignons, oignons, sauce barbecue, j'ai ça. Épices beefsteak, oui, paprika fumée, protéines végétales. Alors j'en ai plein à passer, fait que je pense que je vais faire ça. Farine de blé entier, ça j'ai pas ça, par contre j'ai juste la farine blanche, mais là ça fait une coupe de
de recettes que je vois qui demandent ça, fait que je vais en mettre sur la liste. J'essaye de mettre mes trucs par ordre un peu sur la liste, parce que là j'ai juste un bloc notes réutilisé là, comme ça, là, c'est des vieilles feuilles. D'habitude j'ai comme une belle liste que ma soeur me faisait, là, vu qu'elle est graphiste, avec les catégories d'aliments, puis comme ça je pouvais remplir, mais il faudrait qu'elle m'en fasse une nouvelle version, parce qu'il y a des sections de l'épicerie qu'on visite plus là, depuis 3 ans. Mais j'avais encore ces vieux papiers, bref. Tiens, idée cadeau Marlène, ok? Je veux une nouvelle liste d'épicerie. Non mais pour vrai, c'est tellement plus efficace que de noter ça là-dessus. Fait qu'au moins j'essaie de regrouper là. Ah, ça sent le brûlé, hein. J'ai vraiment failli foirer. Oh, ça pue. Moutarde de Dijon au miel. Bon, j'ai de la moutarde de Dijon, je pense que c'est bon. Tomate, j'en ai-tu? Oui, j'en ai plein. Roquette, radis mariné ou pickles, j'en ai. Rondelles d'oignon. C'est tout? Mon dieu, ça prend pas grand-chose. J'aime ça. Ça fait 8 burgers, ça se fait en 10 minutes. Faut juste cuire 30 minutes. C'est bon quand même, là. Ensuite de ça, je pense que je vais aller fouiller dans mes recettes préférées sur Pinterest. D'ailleurs, elles sont toutes accessibles, hein. Fait que vous pouvez aller là si vous manquez d'inspiration. Puis je les ai comme un peu triées par sous tableau, là, en groupe, comme ça. Pour aller dans salade et bol, tiens, pour varier avec burger. Ah, oh, salade tiède de quinoa de 3 fois par jour, c'était bon, ça. Je vais racheter des carottes. Des pois chiches, j'en achète au Costco. Fait que j'ai genre des grosses quantités à passer, ce qui est génial pour moi. Du miel, beurre, vinaigre de cidre, poudre de carie, huile de sésame. Oui, j'adore ça. Quinoa, menthe fraîche. Menthe. Coriandre, elle est plus très belle, faudrait que j'en rachète. Je vais essayer de trouver une autre recette par contre avec ça, parce que sinon on la gaspille, hein, tu sais, ça vient comme tout le temps des gros paquets là, les herbes. 3 oignons verts, j'en ai plein, il m'en reste encore dans le potager là, mes immenses oignons verts là, j'en ai plein. Des pistaches rôties, je suis pas sûre qu'on en a mis l'autre fois, mais je vais le mettre là, au cas où. Et c'est tout. Yes, enregistré dans recette de la semaine pour pas que je cherche trop longtemps. C'est mon petit truc, ça c'est un tableau secret par contre, mais c'est mon petit truc. Ah, je sais qu'il voulait refaire sa fameuse soupe là, soupe au pois, c'est celle-là? Ouais, c'est elle. C'est une recette de Tasty, mais mon dieu, c'est la meilleure soupe qu'on avait fait l'hiver passé. Ben, on l'a pas fait dans un bol, là, on s'en fout, là. On achetait pas le pain de même, là, pour faire ça, mais le reste, oignons, ok, je vais acheter un sac d'oignons, je pense. Carottes, parfait. Céleri, j'en ai plus. Split pea, j'en ai. Puis le reste, j'ai tout ça. Ça, c'est déjà ça allait, ça, ok, parfait. Puis pour passer mon céleri, parce que ça aussi, je trouve qu'il y en a comme tout le temps trop, là, juste pour une recette, je me suis dit qu'on pourrait faire une salade de macaroni. J'ai celle ici de 5 ingrédients, 15 minutes, là, je pense à un site français, je vais aller checker qu'est-ce qu'ils mettent dedans. Cornichons, j'ai déjà ça, pardon, fromage, je pourrais en racheter. Les autres mettent du jambon, moi j'en mettais pas. Il y a aussi des carottes, fait que ça c'est cool, je vais acheter un gros sac, là, fait que je vais en avoir assez pour ça. Un poivron rouge, ok. Qu'est-ce qu'on met d'habitude dans ces salades-là? Ça fait longtemps que j'en ai pas fait. On dirait qu'il me manque un ingrédient. Sûrement le jambon que j'ai enlevé. Ah, du tofu, je promets du tofu. On en a un gelé. Ok, ouais, j'ai du tofu mou. Je pourrais faire un tofu jambon. C'est vraiment bon. Ça arrive en crème. Puis je pourrais me mettre dedans. Ouais, je vais faire ça. Ok. Ouais, fait que juste ça, comme petite épicerie, ça va rien coûter. Ça, là, je vais vous le dire, là, ça va coûter. Ça dépend de ce qu'on va en fait, là. Mais comme la majorité, c'est des légumes, je pense que ça va coûter 35 max. Mais je vous en dis pas plus parce que ça, ça va être une de mes prochaines idées vlog, là. Faire une semaine d'épicerie avec moi, vous allez voir. Ça nous coûte pas cher du tout. Il est même pas midi. J'ai tout fait ce que j'avais à faire comme d'urgent, là, ou de routine du matin. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Il me reste à faire mes bagages. Ouais, je pense que je vais finir le vlog tantôt en faisant mes bagages avec vous. Tout en vous parlant un petit peu plus personnellement, là, de ce que j'ai dit au début du vlog. Parce que demain, en fait, je m'en vais à Toronto juste une journée avec Marianne. De deuxième pot, ça va être vraiment le fun. Fait qu'il me reste à faire ça. Ce soir, épicerie, montage, je vais appeler mon père, des choses comme ça. Mais je pense que je vais avoir du temps dans la journée pour faire des choses, yes! Faire des choses, c'est pas ça que je voulais dire, travailler genre. Parce que tout ce que j'ai fait à date, c'est plus comme m'occuper de moi ou de la maison ou faire le vlog, là. Mais j'ai pas comme concrètement travaillé. Mais ce qui est fun, c'est que cette semaine, j'ai plus de temps parce que j'ai pas à filmer de vidéos. J'ai filmé la semaine passée déjà ma vidéo de Victoria, vu que ma vidéo de Shane Dawson, ben je l'ai comme filmée roche le samedi. Fait que c'est cool, ça m'arrive jamais d'être en avance sur mes vidéos. Mais là, celle de cette semaine est prête, va juste falloir que je fasse le montage vendredi. Fait que j'ai une semaine quand même assez calme cette semaine, là. Je suis vraiment contente. Oh, j'ai pas checké mon petit, ma petite gelée, moi, là. Tu vois que ça a comme épaissi, là. C'est plus une texture sirop, mais c'est pas prêt pantoute encore. Je vais remonter le feu. Je vais mettre un timer pour l'oublier. Rebonjour, je suis en train de faire mes bagages. Je pense que j'ai tout. Je me suis juste emmenée comme 3 tenues, mettons une chic, une plus casual pour là-bas, puis une pour quand je reviens en avion le lendemain. On dirait qu'il y a comme un petit thème Bourgogne qui se passe, hein. C'est l'automne, ouais, c'est ça. J'ai emmené une petite tenue plus chic. J'ai ces talons-là, mais sont confort, tu sais, si jamais il faut être chic à l'événement, je ne sais pas trop. Mais ouais, c'est mon option avec ces pantalons-là parce que j'ai pas de. C'est quoi ça, un poil? J'ai pas de belles bottes pour aller avec, disons.
En fait, je pourrais mettre ce genre de bottes-là, tu sais, mais je sais que ça me fait pas trop bien. En tout cas, j'en mets quand même des options. Ça, c'est mon look plus casual. Fait que je vais pacter tout ça rapidement en concluant le vlog avec une petite discussion. Parce que hier, en fait, j'avais oublié que cette semaine, je vous avais demandé dans l'onglet communauté. Excusez, l'onglet est vraiment bizarre. Hein? Je vous avais demandé si ça, si il y a des sujets pour ma chaîne de vlog que vous préfériez, puis d'autres moins. Et ça a été, mon dieu, toute une discussion. J'avais vraiment oublié que je vous avais demandé ça il y a quelques jours. Fait que là, hier, j'étais allée lire ça. Malheureusement pour moi, j'étais pas dans un bon état quand je lisais ça, fait que j'étais comme un peu sénère là. C'est fou parce qu'à chaque fois sur Facebook ou ailleurs que j'ai comme ouvert la discussion sur des sujets comme ça, vous êtes genre très très réactifs, ce qui est bon. Mais je vous dis là, il y avait comme 100 commentaires là, de suggestions puis d'analyses de ma chaîne et tout ça. En fait, ce que j'ai fait hier, c'est de prendre vos idées, vos sujets que vous aimez en note. Et sans surprise, tu sais par exemple la déco, les rénos, c'est les thèmes les plus récurrents là, c'est ce que vous aimez le plus, c'est ce que j'aime le plus aussi. Le seul petit hic avec ça, puis plusieurs l'ont remarqué, c'est que ma maison est presque toute décorée maintenant. Il nous reste plein de projets, je veux dire, moi je suis une grande rêveuse, fait qu'il y a comme plein de goals que j'aimerais achieve encore avec ma maison. Il y a tout le sous-sol qu'on n'a pas fait encore, ça c'est sûr que je vais vous faire une série de vlogs là-dessus. D'après moi, on va faire ça cet hiver, parce que je sais pas qu'est-ce qu'on va faire d'autre. Fait que c'est sûr qu'il va y avoir d'autres vlogs de réno et déco qui s'en viennent, mais c'est drôle parce que récemment avec Pat, en fait c'est surtout lui là, il avait comme le goût de pas nécessairement de déménager, mais de faire genre des flips de maison. Puis là j'étais comme oh my god, c'est parce que c'est pas notre job là, on peut pas faire ça. Même si je trouve ça super comme attirant comme monde, j'étais genre ben là comme... Finalement on y a pensé comme de plein de façons, puis je pense pas que ça pourrait marcher, même si ça ferait du super beau contenu de vlog, ben je sais que vous m'écoutez surtout pour ça. Sinon jardin, plantes, ça c'est pas tout le monde qui aime ça, je sais il y a comme peut-être une personne sur trois qui aime pas mes vlogs de jardinage, mais j'en fais quand même parce que c'est une de mes passions, puis moi j'aime ça voir l'évolution de ça. Des recettes, cuisine c'est revenu souvent, vous aimez voir ça, j'ai des idées de vlog comme je disais tantôt par rapport à ça. Tout ce qui est organisation, les gros ménages à la Marie Kondo, moi aussi j'aime ça voir ça, c'est satisfaisant. Dans le fond c'est beaucoup des trucs que vous pouvez appliquer aussi dans votre vraie vie, j'ai l'impression que vous aimez voir le plus que des voyages ou des choses qui sortent trop de l'ordinaire. Ouais. Beaucoup voulaient savoir plus mes intérêts, genre c'est quoi les films que j'écoute, la musique que j'écoute, des choses comme ça. Ça, c'est vrai que j'en parle pas tout le temps ou un petit peu indirectement ici. Après des routines, fait que c'est pour ça que j'en fais une aujourd'hui. Et Lily est revenue souvent. Les vlogs psycho aussi, finalement ça a pas plu à tout le monde, c'est juste que les gens me l'avaient pas dit parce que quand je posais la question, il y a juste ceux qui aimaient ça qui se sont exprimés. Fait que je vais faire attention, mais je voulais pas en faire souvent non plus là, c'est juste de temps en temps, peut-être quand justement j'ai moins une idée concrète ou moins quelque chose d'intéressant à vous montrer comme en action, ben oui je vais en refaire de temps en temps des petits sujets un peu comment on dit, cri du cœur ou je sais pas trop. Fait que c'est ça, en gros vous voulez vraiment voir mon quotidien comme que je pensais. Cependant, il y a juste un petit truc que je voulais adresser, puis là je me rends compte que je vous parle puis je fais pas mes affaires. Ça c'est vraiment classique. En fait depuis peut-être la fin de l'été, je sais pas trop, il y a eu des choses c'est comme je vous ai dit dans ma vie personnelle. En fait aussi c'est que j'ai pas vraiment de routine, tu sais mon emploi du temps est vraiment instable, genre cet été tout mon temps ou presque passait sur le livre, les choses comme ça. Maintenant que c'est fini, pouf, je me retrouve à avoir comme plus de temps. Mais là, surtout mois de novembre pour moi en fait c'est toujours mon mois le plus calme de l'année. Après ça, décembre, ça reprend force là. Mais novembre, c'est comme la période plate entre l'Halloween puis Noël que je suis comme, qu'est-ce que je vous montre comme contenu, tu sais, parce que j'essaie de faire des choses un petit peu différentes, des fois trop différentes, vous aimez pas ça. Vous voulez de la routine, mais faut pas non plus que ça soit redondant, tu sais. Fait que c'est ça des fois le challenge avec les vlogs. Je pourrais me forcer à faire du contenu genre exceptionnel, des affaires flyées, mais vous préférez voir mon quotidien, puis c'est ce que vous me dites, puis c'est ce que les stats disent aussi, tu sais. Fait que j'avais comme beaucoup de remises en question par rapport à tout ça. Puis à la base, tu sais, je fais vraiment ça comme pour le fun, puis oui, pour vous donner un petit peu d'update de ma vie que je fais pas sur ma chaîne régulière et tout. Mais des fois, il y a des... Tu sais, comme tout le monde, j'ai des passes moins... Ben, ou que je vais moins bien, ou qui sont moins intéressantes, et je me dis, ben, je veux-tu vraiment filmer ça, tu sais? Fait que c'est pour ça, comme on dirait que tous mes derniers vlogs, j'ai l'impression que j'en ai pas fait tant que ça, en fait, ils ont été espacés. Parce qu'avant, quand j'étais vraiment dans ma routine, puis work, j'étais capable d'en faire vraiment une à chaque 7 jours, là, tu sais, max. Mais là, je voyais que, oh, ça fait 10 jours, j'ai pas posté, comme mon Dieu, ça fait 12, 15 jours, tu sais, je m'en rendais même pas compte des fois, parce que le... la vie va vite ou autre. Fait que là, comme je dis, j'ai plus de temps. Fait que ça, c'est le fun. Mais je me pose des questions. Est-ce que j'en profite pour faire plus de vidéos sur ma chaîne beauté ou plus de vlogs? Parce qu'il y en a qui trouvaient ça long, tu sais, mes vlogs d'une demi-heure. Fait que peut-être que je pourrais en faire plus, mais les couper. Donc, c'est plein de questions comme ça que je me pose un peu pour l'avenir de ma chaîne. Parce que c'est sûr que je veux pas arrêter la chaîne de vlogs. J'aime vraiment ça. Ce que j'aime, c'est vraiment le contact comme plus intime et personnel que j'ai avec vous.
J'étais peut-être moins into it récemment, je dois l'avouer. Moins inspirée pour faire des vlogs ou je sais pas. C'est tellement un mood, on dirait, faire des vlogs puis être dans le beat. Il y en a qui sont capables pendant un bout de temps, tu sais, qu'il faut du daily vlog ou whatever, mais c'est dur, honnêtement. C'est difficile à faire. Fait que je voulais m'excuser. J'espère que vous n'êtes pas senti trop délaissé ici, mais je pense que c'est quand même ça qui est arrivé un petit peu parce que les vues de certaines vidéos ont baissé. Puis par rapport à ça, je voulais juste adresser rapidement en terminant. Un petit quelque chose, parce qu'il y a un commentaire qui m'a marqué dans ceux que j'ai reçus où la fille disait que ça l'énervait, elle, quand les youtubeurs parlaient des chiffres, que c'était une raison de plus pour elle d'arrêter de suivre ces personnes-là, parce que ça l'agaçait. Elle se sentait comme si on mettait de la pression sur les abonnés pour regarder nos vidéos. Je voulais juste me justifier par rapport à ça, ok, parce que ça me fait un peu de peine, ce commentaire-là, parce que j'espérais en fait que vous vous sentiez pas toutes comme ça, tu sais. Quand moi j'exprime des choses comme j'ai exprimé sur l'onglet communauté cette semaine, c'est vraiment parce que je suis inquiète. Ce que je veux exprimer, c'est plus de la tristesse, de la déception, mais face à moi-même. Pas par rapport à vous, c'est pas pour vous mettre de la pression de dire oh, allez regarder ma vidéo, oh, ben là pourquoi vous regardez pas ma vidéo. C'est vraiment pas ça mon attitude, donc j'espère que c'est pas perçu comme ça quand les youtubeurs vont vous en parler, parce que je pense que tout le monde qui le font, c'est plus parce qu'on est inquiet que ce qu'on fait vous intéresse plus. Puis comme c'est nous, c'est 100% nous autres, tu sais, ça nous touche directement puis personnellement, parce que ça nous fait remettre en question un niveau très deep, très personnel. Puis c'est des choses qu'on partage pas souvent avec vous, puis que honnêtement, je me demande toujours si je devrais le faire un jour ou non, parce que je sais que si je le fais, je vais m'exposer énormément, je vais être très 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 vulnérable de le faire. Mais tu sais, il y a des choses par rapport à YouTube qui me chicotent, qui me rongent parfois par en dedans depuis bien 2 ans. Et à chaque fois, j'évite d'en parler ou j'effleure le sujet parce que je suis comme... C'est comme si je teste un peu avant, puis parce que je me dis tout le temps genre ok, le jour où je vais être prête d'en parler, il faut vraiment que je sois prête, parce qu'étant quelqu'un de très sensible comme vous savez, je vais m'ouvrir le cœur là, puis vous allez savoir des choses que je dis pas normalement, puis je sais pas qu'est-ce qui va en résulter, mais justement quand on ouvre la porte aux commentaires comme ça, des fois il y en a qui en profitent puis qui sont limite un petit peu méchants là. Donc voilà, je voulais juste vous dire que c'est ça, quand je parle des chiffres et tout ça, c'est juste parce que je m'inquiète, puis c'est pas parce que c'est pas tous les youtubeurs qui le font que les autres sont pas inquiets. Genre, on a toutes énormément de remises en question via ce métier-là. J'en parlerai pas plus aujourd'hui, comme je dis, parce que je suis pas sûre d'être prête à le faire. Mais il y a des raisons. C'est pas parce qu'on est obsédé avec les chiffres. Il y a toute une raison, une mécanique derrière ça que je pense que vous pouvez quand même imaginer, là. Mais bref, c'est ça. C'est pas parce que les autres en parlent pas, qu'ils m'en parlent pas à moi, qu'on s'en parle pas entre nous, là. Tu sais, c'est ça que je veux dire. C'est la même chose, tu sais, je me dis à la télé. Une émission que les codes d'écoute descendent, là. Ils vont se poser des questions. Croyez-moi que le producteur, tout ça, ils vont mettre de quoi en branle pour essayer de rectifier la situation si c'est possible, mais ils vont jamais vous demander directement ben qu'est-ce qui vous a pas plu, c'est tu tel invité, c'est tu tel sujet, tu sais. Mais nous sur YouTube, tout est public, les stats, tout ça, puis on a la chance d'être comme très proche avec vous, fait qu'on en profite tout simplement pour vous demander directement votre feedback, chose que beaucoup de gens peuvent pas faire. En fait, toutes les autres formes artistiques, tu sais, que ce soit un auteur que son livre a pas bien vendu, tu sais, il va pas commencer à aller dans les Renaud-Bré puis demander à tout le monde « pourquoi vous achetez pas mon livre », tu sais. Mais sur YouTube, on dirait qu'on se le permet parce qu'on a cette proximité-là avec vous. Un super beau contact, comme je disais tantôt. Donc voilà, c'est juste ça que je voulais vous dire. L'avenir de ma chaîne, écoutez, comme je dis, je veux absolument continuer. C'est pas du tout dans mes plans d'arrêter la chaîne de vlog. Je trouve ça important, mais je vous remercie des fois de m'accorder un peu de temps par rapport à ça, parce que des fois je suis pas dans le beat, des fois je suis pas inspirée, des fois je suis triste honnêtement, puis j'ai tout le temps peur que vous allez le ressentir. Je veux pas que vous passiez un mauvais moment quand vous regardez mes vlogs, donc j'essaie de pas vlogger quand je suis pas dans le mood, mais ça se contrôle pas comme vous savez. Donc c'est ça, à l'avenir j'ai quand même pris en note vos préférences. C'est des choses que moi aussi j'aime faire, je veux vraiment, tu sais, j'ai l'impression que je me force quand même tout le temps un petit peu pour mon contenu, là, je fais pas juste comme m'asseoir puis vous parler pendant une demi-heure, à moins que ça serait genre un truc psycho, mais on dirait qu'il faut tout le temps que j'aie une raison de vlogger, faut que... C'est pour ça que j'attends suffisamment de temps pour avoir assez de trucs à vous partager, tu sais. Il y a beaucoup quand même de préparation derrière les vlogs, si... même si des fois ça paraît pas. Donc c'est sûr que j'espère qu'ils sont appréciés parce que je mets beaucoup de temps là-dedans, puis honnêtement, tu sais, monétairement, là, ça me rapporte pas grand-chose les vlogs, là. Honnêtement, là, je pourrais vous en reparler si ça vous intéresse, là. Mais comme je dis, j'aime ça, je veux continuer, c'est juste que j'aime ça en faire à mon rythme, quand ça va. Mais je pense que vraiment le mot de la fin, c'est que faut que je continue de faire ce que j'aime, ce qui me passionne. Vos commentaires aussi, ça revenait à ça au bout de la ligne. C'est juste que je pense que quand même il y a moyen de faire aussi ce qu'on aime puis ce que vous aimez, tu sais, que les vues soient au rendez-vous. Mais clairement, je ferai pas des vlogs clickbait, des choses qui m'intéressent pas. Je veux continuer à faire des vidéos de ménage puis de popote puis de plein d'affaires, parce que je sais que vous aimez
ça aussi. Moi aussi, même si c'est des fois pas extraordinaire comme contenu, ben on dirait que c'est ça que vous voulez voir. Fait que c'est sûr que ça peut être redondant parce qu'année après année, comment se renouveler dans les vlogs, c'est une sacrée bonne question. Sans faire par exemple d'enfants ou acheter une nouvelle maison ou... c'est ça le challenge de tout vlogueur, je pense. On a besoin de pause comme tout le monde pour recharger un peu la batterie de la créativité. Fait que voilà, finalement j'ai peut-être pas réussi ma mission aujourd'hui de faire un vlog plus court qu'une demi-heure comme d'habitude, mais... celles qui l'ont regardé, merci. Vous voyez, ça c'est un truc que je fais quand je suis pognée dans un petit tourbillon d'inquiétude. J'essaye tout le temps de me ramener à la gratitude parce que c'est une des plus belles affaires au monde selon moi. C'est super important de la cultiver. Puis quand je retombe dans ce mindset-là, tout va bien. Mes doutes s'apaisent parce que je me dis « Hey, même si mettons il y a 22 000 personnes qui ont regardé mon dernier vlog au lieu de 30 000 là, oui, il a intéressé moins de personnes, mais c'est 22 000 personnes! Si j'imagine c'est combien de gens dans la tête, je suis comme waouh, ça a rempli un Centre Bell ou presque là! » Genre c'est super bon! Il faut juste que je me refocus sur ça, sur l'instant présent, sur le positif. Et après ça, tout va bien. Genre, je me calme, je redeviens moi-même. Je déteste mes passes de remise en question, je déteste ça. Mais des fois, c'est plus fort que moi. Ma crainte me fait vous en parler. Puis je suis désolée s'il y en a qui aiment pas ça. Et je sais pas si je vais vous en reparler un jour ou faire semblant que tout va toujours bien. Mais voilà, c'est ça que j'avais envie de vous dire aujourd'hui. Fait que je retourne dans ma gratitude. Je vous dis merci du fond du cœur. Merci de votre compréhension, merci de votre ouverture. Et merci d'être là. Sachez que je fais ça pour vous, encore avec passion. Et que des fois c'est pas facile, mais je continue et je veux continuer. Donc voilà. C'est un peu ça, je pense, l'avenir de la chaîne de vlog. Je sais pas si vous êtes d'accord avec ce que j'ai dit. Puis on se revoit nous autres la semaine prochaine. Je sais pas trop pour quel vlog. J'ai une petite idée par contre, c'est vrai, j'ai une petite idée de noter. Ouais, fait que je sais pas encore quel jour, mais on va se retrouver la semaine prochaine. Merci encore une fois et je vous dis à très bientôt. Ah non, c'est pas vrai, bye bye. Regardez, ma gelée. Ah, il sentait ma mère, je sais pas qu'est-ce que ça l'a donné. C'est comme un peu de la tire et regardez le cauchemar de mon chaudron. Ce que je l'ai laissé juste refroidir 10 minutes, là, tout est collé. Mais vous voyez un peu la texture, c'est pas tant une gelée, on dirait vraiment une tire. Mais sa photo de Ricardo, ça avait l'air aussi un peu de ça. Fait que sûrement qu'en refroidissant plus, hey, je sais pas, je sais pas si j'ai raté. Je vous le dirai dans le prochain vlog. Ok, bye!